occidental, ajoutant que les accords commerciaux de l'Union européenne avec le Maroc qui s'appliquent au Royaume-Uni ne peuvent être appliqués aux ressources du Sahara occidental. Pour Radio Algérie Internationale, Habib Ben Safi, Bruxelles. Côte libyenne, quelques 83 000 migrants déjà débarqués sur les côtes italiennes. Et depuis le début de l'année, l'Italie a depuis menacé de bloquer l'entrée de ses ports aux navires pactant pavillon étranger, participant aux opérations de sauvetage au large de la Libye. Et puis les ministres de l'Intérieur français, italiens et allemands se retrouvent dimanche soir à Paris pour discuter d'une approche coordonnée pour aider justement l'Italie à faire face à l'afflux de migrants dans ses ports. Correspondance d'Amel Hamdaous. La réunion intervient alors que l'Italie...